Il est midi exactement. Merci Stéphanie pour ce cours de yoga exceptionnel. Encore bravo. Alors je ne suis pas sûr de faire la posture du cobra ou par contre on va vraiment travailler les fondations pour ce circuit qui est dans le prolongement de ce qu'on a fait mais avec des petites touches supplémentaires comme pour chaque séance. Donc n'hésitez pas à refaire la séance en replay si vous n'avez pas l'occasion de tout faire. Et je l'ai faite volontairement à midi pour que les collaborateurs et collaboratrices qui sont en télétravail puissent y participer. Voilà, donc je vous fais visiter un petit peu les lieux pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc on a, hop, je vais décrocher ici la caméra. Bon, on va la laisser fixe pour l'instant. Donc on a des appareils ici qui sont. En dehors de votre participation, je ne fais pas de séances supplémentaires. Donc j'essaie de faire participer ce que je fais au maximum, dans tous les cas. Voilà. Je vous ai mis quelques exercices supplémentaires avec ici des petits cônes. Je vous expliquerai pourquoi on va les utiliser. Nous avons ici une échelle. L'échelle, c'est pour matérialiser le petit aller-retour qu'on fait habituellement. Pour celles et ceux qui participent au Chilean Sport Truck tous les samedis matins, à part sur cette période de confinement, évidemment, ben c'est ce qu'on utilise habituellement pour ce type de travail de coordination. Voilà les tapis qui sont en place, donc ici, et puis bon, évidemment, un vélo Kaiser qui nous a été fourni gracieusement par la société Actec, avec lesquels on va dans les quartiers, les terracords pour travailler la proprioception, et puis le fameux tapis qu'on utilisera au. Oui ou peut-être pas, parce que ben, je considère que certains d'entre vous n'ont pas d'équipement du tout. Donc il est important pour moi de faire une séance avec aucun équipement ou très très peu. Voilà, je replie le petit matériel. Encore une fois, merci Stéphanie, c'était vraiment exceptionnel. Je n'ai pas pu participer malheureusement, mais ça sera pour la prochaine fois. Quand j'étais athlète de haut niveau, je me disais, mais le yoga, qu'est-ce que c'est ce truc? C'est un truc de personnes âgées. En fait, pas du tout. Une fois que je me suis occupé d'autres équipes nationales, notamment dans les sports professionnels, je leur ai fait faire du yoga. Ça permettait d'apaiser le corps, de retrouver de la souplesse, la mobilité articulaire et l'amplitude articulaire très importante qui est pour moi une des choses essentielles dans toute la partie stretching. Et la respiration, évidemment, qui est importante. Voilà, je mets le matériel de côté. Même chose ici, je considère que vous avez zéro matériel. J'ai même installé une chaise parce que la chaise fait partie des éléments, c'est un vrai appareil de soit de musculation, soit de stretching. Donc on l'utilisera à la fin. Et puis le tapis que je vais retirer. Voilà, ça passe. Ça passe. Bienvenue donc à toutes et tous, bienvenue à la Mongolie qui nous regarde. En direct, que je connais bien. Bienvenue à la Suisse qui nous regarde aussi. Et puis à tous les pays qui sont malheureusement confinés comme nous, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, évidemment, maintenant. Et puis à tous les pays du monde qui sont en difficulté. Et évidemment, bienvenue à tous les Français, toutes les Françaises qui sont confinés. Je mets en place cette petite séance pour changer un peu les habitudes et puis surtout pour casser ce faux rythme qui est dans le confinement. Donc ça permet évidemment de se stimuler. Si vous n'avez pas envie, forcez-vous, parce que c'est important de remobiliser le corps. Et on va commencer cette séance. Alors je vous annonce le programme. Il va y avoir la séance d'étirement très rapide en étoile, comme on l'a fait sur les 4 premières séances. Et puis on va attaquer directement après sur le renforcement musculaire sous forme de circuit. Aujourd'hui, on aura 4 phases avec 3 exercices en rotation. Ça va durer entre 5 et 10 minutes sur chaque rotation. On va essayer d'en faire 3. Mais je vous expliquerai au fur et à mesure tous les exercices. Je vais me mettre à l'aise parce qu'il fait un petit peu chaud et je pense que ça va piquer légèrement. Ne prenez pas peur, c'est chacun qui travaille à son rythme. Il ne faut surtout pas se forcer dans les efforts si vous êtes en difficulté. Ben, tout simplement, vous modifiez votre exercice. Je vous donnerai quelques exemples évidemment pour les modifier ou les alléger ou tout simplement diminuer l'intensité. Donc chacun fait à son rythme et en fonction de ses capacités.
Je vous rappelle, si vous avez des difficultés respiratoires ou cardiovasculaires, attention, mettez-vous un petit peu en retrait, préservez-vous. Allez, on commence toujours pareil sur la petite serviette des Jeux Olympiques de Londres, qui n'ont pas été repoussées, contrairement aux Jeux Olympiques de Tokyo, malheureusement. Je salue la visite de Teddy Riner qui nous regarde en ce moment. Bienvenue Teddy, ça va permettre de continuer ta préparation. Allez, on se met en fente avant. Ici, bassin rétroversion. Allez, on pousse le bassin en avant et on maintient la position 10 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se met en rotation en opposition pour déverrouiller le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient sur le côté. Toujours pareil, le bassin au milieu des genoux. On descend légèrement vers l'arrière, doucement. Voilà, sans forcer. On marque la position 10 secondes. Je ne vais pas toujours compter parce qu'à un moment donné, ça va saturer dans le réseau. Donc, on reste sur la position tranquillement. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. C'est un moment de pause. Les étirements, c'est un moment d'échange aussi. Alors, normalement, c'est la séance. En ce qui concerne le sport management système, c'est le seul moment où les collaborateurs sont en mode avion. Donc on n'a pas d'écran, mais là c'est exceptionnel parce qu'on est en confinement. On va travailler sur l'épaule 45 degrés ici, pas 90, on est à 45 degrés. On va poser la main opposée et on va descendre les épaules vers le bas. Pour celles et ceux qui ont fait la séance de yoga, vous n'êtes pas obligé évidemment de refaire les étirements, mais ça ne fait pas de mal. Donc selon les recommandations de Stéphanie, vous pouvez prolonger les exercices de yoga. Hop, on se redresse, on passe de l'autre côté. Voilà. On inspire bien, on souffle et on descend l'épaule vers le sol tout doucement. Et hop, et on revient de l'autre côté, ici. Voilà. On essaie de gagner un petit peu d'amplitude articulaire. Alors pour l'instant, je ne mets pas de musique. Alors Stéphanie a mis de la musique, c'était très très bien. J'ai la sono qui est derrière, mais je ne suis pas sûr que ça ne couvre pas ma voix. Donc pour l'instant, on la laisse tranquille et on verra tout à l'heure si on la met en marche. Allez, on se met sur l'avant à nouveau et ensuite en opposition au niveau du buste. Ok, on va se mettre à genoux. Voilà, on va tourner les mains vers soi, vers les genoux. Et on va ici pousser la paume des mains vers le bas. Voilà. On va finir sur la position avec une rotation des cervicales. En essayant de gagner au maximum en amplitude, la vitesse ne compte pas. La force encore moins. Il faut juste se laisser aller avec une amplitude maximum des cervicales, mais sans forcer. Voilà. On va se relever. Comme je vous ai dit, l'échauffement sera un peu plus bref que ce qu'on faisait habituellement. N'oubliez pas votre bouteille d'eau. Le gel hydroalcoolique qui est en place aussi. Et puis, pour vous, j'ai amené le petit compte à rebours pour tout à l'heure. Ça risque de piquer un petit peu. On va continuer à nouveau à se mobiliser progressivement au niveau des épaules. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Soyez bien ancrés au sol avec les jambes en même temps. On est disponible, on est à l'aise. Et après, on va travailler l'équilibre, comme d'habitude, la proprioception qu'on perd avec l'âge. Avec l'âge, on perd l'équilibre. Pourquoi ? Parce qu'on a de l'âge, mais aussi parce qu'on travaille beaucoup moins. On fait moins d'activité physique avec l'âge. Et donc, on perd toutes ces capacités, équilibre, force, fonte musculaire, évidemment. Et puis, ostéoporose, c'est très important. L'ostéoporose s'accentue au fur et à mesure, et notamment s'accélère à la ménopause, mesdames.
Donc il est important de solliciter les os pour que justement on évite cette fameuse ostéoporose qui peut créer ensuite des fractures, notamment le col des fémurs chez les personnes âgées entre autres. Je parle sous le contrôle du professeur Versier qui nous regarde, j'espère. Voilà, hop, on passe sur l'autre jambe. Alors, je ne vous décris pas tout, vous avez juste à faire la même chose. Donc on travaille sur l'équilibre, en même temps on commence à mobiliser les segments. Pour le coup, ici c'est la cheville, la jambe, et puis en même temps on travaille sur l'équilibre. On va remobiliser les bras, ici on va tourner les paumes des mains vers l'avant, là, et on va essayer d'aller chercher au maximum en arrière ici, sans se luxer l'épaule évidemment, et on va monter vers le haut, et ça va permettre d'échauffer les épaules juste avec le poids des bras, et on redescend doucement tout en contrôle avec la respiration qui va bien, on relâche à nouveau. Vous voyez que ça sollicite vraiment les épaules. On revient ici, paume des mains vers l'avant, on vient sur l'arrière, on vient ouvrir au maximum vers l'arrière. Et là, on ouvre. Alors pour moi, c'est un vrai effort avec mes épaules de judoka, très très souple. Voilà, je relâche à nouveau. Et on continue pour un troisième. En arrière, on vient chercher au maximum sur l'arrière, sur le plan sagittal, c'est-à-dire vertical, facial, dans l'axe, comme si on était dans un tout petit couloir, en positionnant en même temps le bassin. On va remobiliser à nouveau le bassin. Ici, on va mettre la jambe à l'avant, jambe tendue ou semi-fléchie. On ramène les bras vers l'arrière. On va alterner ici la position au niveau des bras, comme si on était sur un elliptique, mais sur une jambe. Là, on travaille l'équilibre, un petit peu de renforcement, on travaille la mobilité du bassin, et en même temps la coordination. Parce qu'au début, on peut faire ce mouvement-là, qui est en fait un mouvement opposé, et c'est pas forcément facile. On passe de l'autre côté, jambe avant, on fléchit les bras en arrière, on décale et on enchaîne ici, comme sur un elliptique. 3, 4, 5, 6, 7. On entre bien la cheville au sol, le pied au sol. 9 et 10. Ok, on repasse de l'autre côté. Maintenant, on va passer sur un mouvement sagittal, latéral, ici, d'accord, sans sauter. Donc on va, pareil, ouvrir la jambe sur le côté. Déjà là, on commence un petit peu à travailler au niveau du bassin. On travaille l'équilibre aussi. Et là, on va mettre les deux bras en opposition, ici, et balancer la jambe sur le côté. Voilà. 3, 4, 5, on va jusqu'à 10 évidemment, tout en contrôle. 6. Alors si on fait ça, c'est beaucoup plus facile, mais on va garder le contrôle. 8, 9, hop, je me suis trompé, et 10, ok. On relâche un petit peu, on passe de l'autre côté, ici on ouvre, voilà. Ensuite on met les deux bras de l'autre côté, et on va faire ce petit mouvement. Deux balanciers ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors les judokas sont un petit peu avantagés, puisque ça ressemble à un mouvement de judo. Si Teddy Riner me regarde, j'espère qu'il reste en équilibre dans la position. Ça doit être le cas. Ok, on relâche doucement. Alors, maintenant on va passer au circuit directement. On va faire un premier tour qui va servir d'échauffement, donc on va prendre le temps sur chaque exercice, et puis sur le deuxième tour, là on va faire du travail sur 15 secondes de travail et 15 secondes de repos, et on va enchaîner tous les exercices. Donc soyez bien concentrés sur ce que je vais vous montrer à l'instant. Alors le premier exercice, ça va être, chaque fois ce sont trois exercices, les jambes,
les abdos et ensuite le haut. Donc premier set, premier kit, ça va être d'abord demi-squat ici tout simplement. Voilà, ici. Donc je pense que ça c'est à la portée de tout le monde. Vous pouvez aussi le faire avec les bras, c'est-à-dire que alors au début on est frais au niveau du haut, ça ne sera pas forcément le cas à la fin, donc attention de ne pas trop cumuler les efforts, notamment au départ. Vous pouvez très bien faire un petit travail ici au niveau des épaules. Voilà, regardez la position du dos plat. Les fondations, toujours le même terme que je reprends à Stéphanie, c'est un très beau terme, j'adore. Les abdominaux, je vais mettre la serviette. Si possible, ne pas utiliser le tapis, en ce qui me concerne en tout cas. Hop, voilà. Ici, ce que j'appelle la course interne, c'est la course interne, pardon, c'est cette position-là. Jambes tendues, ici, le buste relevé, et on travaille les 10 derniers centimètres. Ok. Troisième exercice, ça va être un travail du haut sous forme de gainage facial, donc soit sur les mains ici, soit sur les coudes, donc en fonction des capacités de chacune et de chacun. Après, vous êtes soit sur les genoux ici ou bras tendus sur les genoux aussi. Vous avez quatre possibilités pour faire cet exercice là qui va être composé de la façon suivante. Je le fais sur les mains, c'est une flexion ici et un stretching en arrière. Une flexion ici, un stretching en arrière. Si vous êtes sur les coudes, ici, il n'y aura pas de flexion, c'est uniquement un stretching en arrière. Mais on va travailler les deltoïdes ici, au niveau des épaules, et le bassin également. Et puis pareil si vous êtes à genoux, de toute façon. Là, on a fait le premier trinôme, et ensuite on va passer au deuxième. Deuxième, vous allez faire aussi avec moi. Là, j'ai matérialisé deux plots, parce qu'on va faire un travail de navette. Alors là, il y a, je vous avais dit 2 mètres carrés, là on est à 2 mètres exactement. J'ai mesuré. J'ai mis des plots, vous pouvez très bien mettre deux chaussures, deux bouts de scotch, votre gourde ici d'un côté, puis un paquet de mouchoirs de l'autre, ou les fameux gants. On va commencer par ça, ensuite on va repasser sur les abdos, et ensuite on va repasser sur le travail du haut. Donc voilà comment ça se passe, on va démarrer sur un plot ici, 3, 2, 1, petit pas chassé, et on descend. Il va chasser en descend. Voilà, et on y va. Voilà, si vous n'avez rien, vous allez toucher au sol. Donc ça va m'obliger à le faire. Voilà, on descend au plat. Ok, on revient sur les abdominaux. Donc on se met en position assise ici. Déjà, on cherche l'équilibre. Voilà, dos plat, pas de rond. On essaye d'avoir le dos fixé et le bassin aussi. Rappelez-vous, on croise les doigts et on vient tourner à droite et à gauche. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on fait court sur le premier. Ensuite, on va repasser sur les bras à nouveau. Avec de plus en plus de mobilité, là on va commencer sur les coudes et on va passer sur les mains, c'est un exercice que tout le monde connaît. Ou en même temps on va travailler le gainage ici au niveau des fessiers et la mobilité du haut. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et 6, ok. Voilà, on a travaillé les trois composantes du deuxième groupe. Maintenant, on va passer au troisième groupe avec le travail de l'échelle. Dans ce qu'on avait vu au début avec matérialisé par l'échelle, c'est-à-dire cette fameuse coordination, travailler avec les, très important, avec les bras. Donc la chaîne musculaire comprend évidemment le bas, le milieu et le haut. Il est important de travailler avec les bras. Quand vous voyez les athlètes se préparer, pour 2021, les athlètes notamment, les sprinters, travaillent beaucoup avec les bras qui sont des balanciers et qui permettent de gainer le reste du corps. Je parle sous le contrôle de David Alert qui nous regarde, qui fait partie de l'équipe de Passeport pour l'Emploi, champion du monde du 4x100 mètres,
et champion d'Europe du 200 mètres. Donc j'espère que je n'ai pas dit de bêtises, David. N'hésite pas à me corriger si c'est le cas. Alors, on va commencer. 3, 2, 1. Allez, on ramène les deux pieds à l'avant et deux pieds à l'arrière. 2, 3, 4. On se déplace. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On récupère tranquillement. On va se mettre en position abdos. Toujours pareil, un équilibre pour bien travailler à nouveau la proprioception. C'est bien de travailler comme des bourrins, mais il faut vraiment que vous vous habituiez à chaque fois améliorer et à optimiser vos exercices avec soit de la proprioception, soit de la coordination. Donc tous les exercices, presque tous, ont les trois composantes. Renforcement, proprioception, coordination. Le quatrième, c'est stretching aussi, puisque ça en fait partie. Voilà, c'est important de bien faire le mouvement. Donc on a l'équilibre comme tout à l'heure, on se regroupe ici. On tend les bras et on inverse. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on passe sur le haut cette fois-ci. Alors toujours pareil, dans un esprit de proprioception, renforcement, muscles profonds et pas forcément les muscles les plus visibles, on va travailler sur du décalage au niveau des bras. Position de push-ups, soit sur les genoux, soit sur les pieds, comme vous voulez. Après, vous faites en fonction de vos capacités. Donc on va ici se décaler et descendre à chaque fois un petit peu vers le bas. Donc je vais commencer sur les genoux. 1, 2, voilà, pour les plus forts, on va directement sur les chevilles. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on a fait le troisième groupe d'exercices avec ensuite le quatrième qui arrive et dernier avant la récupération qui va être composé de mouvements de jumping jacks. Ça va monter un peu plus en cardio et puis des exercices que vous ne connaissez pas, dont un que je vais expliquer, qui va être celui-ci, pour le deuxième qui est la partie abdominale. On se met bras et jambes en croix et on va se redresser sur le côté médian, c'est-à-dire que le bras opposé va rejoindre la jambe opposée, le bras va venir toucher le sol, il y a toujours une main qui touche le sol, la paume des mains vers le haut, et là on va à nouveau partir de l'autre côté. Là, là. Ok, donc ça c'est le deuxième. Pour le premier, vous connaissez jumping jack, c'est intéressant parce qu'il y a de la coordination aussi. Donc vous le faites soit en jambes écart, soit en fente avant. Donc on y va. 3, 2, 1, c'est parti. On descend bien sur les jambes, on marque bien la position. Voilà. Moi je mixe un petit peu les deux. Et faire en croix, une fois en fente, une fois extérieur. Ok, donc ça c'était le premier. Le deuxième, on vient de le voir, donc là c'est une répétition. Starfish, ça veut dire quoi, starfish? Pour ceux qui connaissent bien l'anglais, ça veut dire étoile de mer, étoile de mer. Donc on va faire l'étoile de mer, voilà, comme ceux qui ont fait la grasse matinée. Les bras et les jambes en croix, et là on va venir chercher les chevilles opposées. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On se redresse bien au niveau du buste. 6, 7, 8, 9, 10 et 1 et 2, 3. Il y a toujours une main qui touche. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Ok, on va passer maintenant sur le haut. Ici, j'ai volontairement mis ce tapis en place. Voilà. C'est avec cet appareil qu'on fait réviser les mathématiques dans les collèges et les lycées aux élèves qu'on rencontre avec le Chilean Sport Truck. Donc, vous voyez qu'il y a des numéros, il y a 12 numéros.
Vous n'avez pas de tapis, mais vous allez le matérialiser. C'est-à-dire que au départ, on va se retrouver sur le 1 et le 2, ici. Et vous allez soit multiplier, soit additionner à chaque fois. Et vous verrez qu'avec la fatigue, vous aurez du mal, même si vous connaissez la table de multiplication par cœur, évidemment, à additionner ou multiplier les choses, parce que avec l'effort physique, on perd ses capacités intellectuelles sur le moment. Par contre, on s'entraîne à être meilleur dans les moments difficiles. Donc on devient, après évidemment, meilleur que les autres. Alors on se met en position. Alors vous allez matérialiser tout ça sur le sol sans le tapis. Allez, 1 fois 2, 2. 2 fois 3, 6. 3 fois 4, 12. 4 fois 5, 20. 5 fois 6, 30. 6 fois 7, 42. 7 fois 8, 56. 8 fois 9, 72. 9 fois 10, 90. 10 fois 11, 110. Et 11 fois 12, ça fait. Bonne question. Je suis fatigué. Voilà. On récupère tranquillement. Vous pouvez boire un petit peu. Donc, ça donne un objectif en fait de, au niveau de l'exo. Et puis en même temps, essayer de faire travailler un petit peu les neurones. Voilà, donc on récupère tranquillement. Est-ce que vous avez des difficultés? N'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires que je vais regarder. Bienvenue Jérôme Dreyfus. Jérôme Dreyfus, entraîneur national de l'équipe de France de judo avec moi. Des souvenirs incroyables avec Jérôme. Et surtout un travail à l'équipe assez incroyable tous les deux, notamment au niveau des équipes de France junior. Alors je regarde qui est là. Cécile Cotrez, regarde. Donc Cécile, tu n'as pas droit au repos toi, hein, tu travailles en continu évidemment. Franck Guillermier, Franck il a une histoire incroyable que je ne peux pas expliquer encore parce qu'il n'est pas à la retraite. Voilà monsieur, un grand monsieur. Mathias c'est le préparateur physique de l'équipe de France de judo, j'ai intérêt à bien me tenir à carreau. Guillaume Faure, alors Guillaume Faure c'est un champion de l'équipe, aujourd'hui c'est mon jour, je revois les anciens et j'en suis ravi. Vainqueur du tournoi de Paris, Guillaume Faure, moins de 71 kg et 73 à l'époque. Roland Girbal, ancien président du comité départemental de judo de l'Aveyron. Olivier Calas, 11 x 12, 132, merci Olivier. 132, il faut que je retienne. voilà, encore un Olivier Hermenel. Et puis Guillaume Ledru, une ancienne connaissance du Racing Club de France. Incroyable Guillaume, je ne t'ai pas vu depuis au moins 40 ans. Romain, c'est Énergie Éolienne de France. Alors j'espère que chez Atos vous êtes là, et Silor aussi. Et puis Énergie Éolienne, vous êtes là, ben, bienvenue. Et toutes les autres entreprises, notamment Vanteo de Cergy et Laboratoire Mérieux Siliker qui font un gros travail en ce moment. Pascal Carayan. Ok, on va démarrer le circuit avec mon appareil de torture qui est le compte à rebours. Donc on va travailler 15 secondes et on va se récupérer 15 secondes et on va tout enchaîner. Donc essayez d'être bien concentré, positionnez bien vos écrans. Parce que vous n'aurez pas forcément le temps de regarder. Voilà, ce sont des exercices qui sont simples, volontairement, qui sont faciles aussi à faire sans matériel. D'ailleurs, pour aller jusqu'au bout de la démarche, je retire tout ce que j'ai mis. Hop, et voilà. Voilà, un carré de 2 mètres carrés, et on va faire un circuit training avec l'équipe de France de judo, bienvenue. Et tous les autres, alors, ça me rappelle des souvenirs, mais des très très bons souvenirs. Mais je ne suis pas nostalgique, donc il faut savoir lâcher la main du passé, toujours, pour se tourner vers des projets. On y va? Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 15 secondes, on en fait le maximum, comme les Russes dans le métro de Moscou, avec leur machine à demi-squat. On ne descend pas totalement, on descend à 90 degrés maximum. Ok, on récupère. On passe sur les abdos. Alors au début, le repos est long. Hein, et au fur et à mesure, vous verrez qu'on aura bien besoin des 15 secondes. On se met en position et on démarre au bip. Ok, allez, on est parti.
Ensuite, on passe aux push-ups ici, soit sur les genoux, soit sur les pieds, avec toujours ici un stretching au niveau des jambes à la fin. Donc ça et ça. Ok, on attend le bip. C'est parti. Allez. Si c'est trop dur, vous le faites sur les genoux. Ok, on récupère. On repasse debout pour les navettes. Rappelez-vous, pas chasser ici. Tac, on vient toucher le sol. On attend que le bip, bip. J'ai encore le sourire. Je ne sais pas si ça va durer. Allez, on descend bien droit, dos plat. On descend avec les jambes. Allez, on accélère. Ok, on récupère tranquillement. Abdos rotateurs, on se met déjà en position avec ou sans serviette. Donc on est ici, on va se mettre en équilibre et ensuite tourner le haut. Les rotateurs sont la partie la plus importante au niveau des abdos. Allez, allez. Et on tourne la tête, on tourne le buste. Ok, abdos, push-ups droit main, c'est-à-dire ici, ça va être ça. Ok, on gaine bien, bien la partie bassin en place. Attention, un petit peu de gainage au début pour s'échauffer. Alors, vous en faites au maximum, soit les genoux au sol, soit corps tendu cheville. Ok, on récupère, tac. On passe au troisième bloc avec travail de coordination échelle. Là, on va travailler avec le haut, on va rouler les mécaniques et en mettre un maximum. Vous êtes prêts? Allez. Et on s'éclate. Ensuite, on va passer au abdos rameur. On se met déjà en position. On se regroupe et ça va être ça. Allez, on essaye de ne pas toucher les pieds au sol. Allez, Franck. Ok. Push-ups décalés, donc ça va être soit sur les genoux, soit sur les pieds, ici. On se met en position, gainage, pour ne pas perdre de temps. Allez, on y va. Respirez, n'oubliez pas. Ok. Paf. Quatrième bloc. On va commencer par du jumping jack. Starfish. Et après le push-ups avec la table de multiplication. Allez, jumping jack. Récupère tranquillement, s'affiche en position, tombe de mer. Rappelez-vous, il y a toujours une main au sol, toujours un pied au sol. On attend de revenir pour décoller l'autre. Allez. Passer sur la sur le tapis. Alors je vais faire les additions pour pas me tromper sur le 11x12. Prêt? 1 plus 2, 3. 2 plus 3, 5. J'ai pas l'habitude de faire celui-là. 3 plus 4, 7. 3 plus 6, 9. 6 et 5, 11. 6 et 7, 13.
7 et 8, 15. Ok, on récupère. Alors, votre avis sur le circuit. Là, on a fait qu'un tour. La prochaine fois, on fait deux tours. Deux tours, c'est-à-dire 8 blocs. D'accord ? Alors, qui est fatigué ? Cécile, tu ne récupères pas, tu continues tout le temps, non-stop. Allez. Bonjour Elsa. Pensez à vous réhydrater. Bon, vous avez vu, c'est un petit travail qui est très simple, hein, on ne va pas inventer la poudre. Aussi par respect pour ceux qui n'ont pas de matériel chez eux. C'est pour ça que j'utilise rien du tout, volontairement. Voilà, pour faire du sport, il n'y a besoin de rien. Et quand on peut sortir, j'espère en sortir un jour, vous savez que vous avez tout dans la nature. Tout est en place dans la nature. Les arbres, ce sont des barres, les branches, des barres de traction, les racines des poignées pour des push-ups. Je ne vous parle pas de la course, du paysage, donc c'est important d'utiliser la nature et je pense que ça va être de plus en plus d'actualité. Faire du sport non confiné, ce qu'on a démarré depuis 2017 avec le Tijen Sport Truck, qui marche très bien mais qui est à l'arrêt malheureusement en ce moment. Voilà, on fait toujours du sport à l'extérieur en utilisant la topographie du terrain et puis les mobiliers urbains éventuellement et puis notre petit matériel aussi. Est-ce que Benjamin Versier a récupéré ? Ce qui montre ses muscles, Benjamin, mais je ne suis pas sûr. Voilà, encore 2 minutes pour récupérer. Et puis, je reviens à vous rapidement, rapidement. Alors, j'aimerais savoir si toutes nos entreprises chez qui nous mettons des programmes d'activité physique et sportive sont présentes. Donc j'en ai vu certaines. Voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Et même on peut adapter aussi avec notre configuration, adapter à vos collaborateurs certaines choses. On est là pour ça. Benjamin est prêt à repartir. Ça fait du bien, dit Olivier. Eh bien écoute Olivier, on va continuer. Oui, c'est différent de la natation, effectivement. Mais malheureusement, on n'a pas de piscine. Et on en aura une, on s'en servirait pas. Parce que tout le monde ne l'en a pas et voilà, ça serait priver certains de ça. On part pour deux circuits. D'accord ? Donc là, on a fait 4 blocs. Et maintenant, on va faire 8 blocs. Okay ? On va finir de façon un peu plus intense que ce qu'on a fait. Donc là, vous connaissez les exos. Maintenant, vous pouvez y aller en fonction de vos capacités. Et on reste toujours sur 15 secondes. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Demi-squat. Si vous montez les bras, vous fixez. Hein. Là, 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 là. Ok, on passe aux abdos. Ici, course interne. Pour ceux qui ont récupéré, vous pouvez démarrer maintenant. Pour les autres, on attend le bip. Rappelez-vous qu'il y a 2 tours. Donc prenez un peu d'avance au niveau récup. On remonte le buste au maximum. Et on travaille sur les 10 derniers centimètres là-haut. Pour bien gainer la partie basse des abdominaux. Le périnée, mesdames. Allez. Et messieurs, canon, il paraît. Ok, allez, push-up bassin. On se met déjà en gainage. On se met déjà en position. Soit sur les genoux, soit sur les pieds. On n'a pas de temps, on n'a pas de ça à faire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est bon? Ok, on repart. Les navettes, on commence à se mobiliser. On reste pas inactif, on va se refroidir. Donc, tranquillement, regardez, les pieds décollent à peine. On est prêt à démarrer. Allez, on descend. Toujours disponible.
Et on accélère. Allez, vous en faites le maximum. Petit pas. Ok. On reste toujours en activité. Ça va être maintenant les abdos rotateurs. On est déjà en place. Ici. Allez, en place. Gainage, gainage. Et on tourne. 1. 2. Ok. Position de gainage de suite. Et là, on va descendre bras main. Cécile, tu peux démarrer tout de suite. Allez, on gagne avec les fessiers. Ça va redémarrer. Go! Allez, on a fait le maximum. Ok. Paf. Échelle. Donc, coordination ici. Après, ce sera deux rameurs. On reste actif. Allez. On met la fréquence cette fois-ci. Plus vite, plus vite, plus vite. Ok, on récupère. Position abdos. Hop. Ici, rameur. On est déjà en position. On gagne. Allez. Allez, faut tirer. Il y a de la houle. Ok. On passe au bras. C'est push-ups décalés ici. Soit sur les genoux, soit sur les chevilles. On est prêt. Gainage. C'est parti, gainage. Et au bip, on démarre. Hop, allez. Ok. Ouh. Jumping jack. Starfish. Push-ups. On reste actif. On va bientôt terminer le premier passage. Ok. Starfish. Étoile de mer. Ici, on va chercher. Vous pouvez déjà démarrer si vous voulez. Allez, on accélère. Ok. Après sur les bras. Donc là, comme on a un peu le cœur dans la bouche, comme on dit, vous allez décaler à chaque fois d'un cran. Sur un côté ou sur l'autre, soit sur le côté, soit sur l'avant. Allez. Ok. Allez, on reste actif. Pensez à respirer pendant l'effort, c'est hyper important. Parce qu'après, vous aurez un déficit. Demi-squat. Demi-squat. Tchac. Allez, on accélère. Tchac. Tchac. Ok, on continue. Hop, en place pour center. Parti.
push-ups bassin, ici, tac et tac, ou sur les coups, les genoux, tac et tac. Ok, on se met en gainage déjà, d'entrée. Allez, hop, stretching, hop, stretching, hop, stretching, on va bien sur l'avant, top, allez, allez, plus fort, plus vite, plus haut, plus loin. Ok, on a fait le cinquième, là on va passer au sixième, avec la navette abdo-rotateur. Allez, on descend rapidement, on regarde devant, on ne regarde pas le sol. On accélère, on accélère. Ok, reste actif, abdos rotateurs en place. Allez, gainage, on y va, c'est parti, on attend le bip. Allez, on tourne bien le bassin, pardon, le buste et la tête. J'en perds la tête. Ok, on va se mettre en bras-main. Ici, tac, 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 tac. On en fait le plus possible. Place, gainage. On reste gainé, soit sur les genoux, soit sur les chevilles. Allez, allez, ok. Bras main, on va faire la coordination. Après, ça sera abdos rameur. Coordination ici. Reste actif. Allez. On regarde devant. On se serre des bras. Respire. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon? On continue encore plus fort. Ok, on reste actif. Et ça va être abdos rameurs. Allez, on gagne de suite. De suite. Voilà. Gainage. Allez, c'est parti. Périnée, mesdames, périnée. Ok. Et on passe au push-ups décalé. Ici, soit sur les genoux, soit sur les chevilles. On est prêt. Gainage. Je vais faire 2-3 quarts, tiens. Choup. 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 Et on accélère. Allez. Vous n'êtes pas obligé de descendre en bas. Ok. Bon, il reste un dernier. Jumping jack, starfish. Et puis le tapis où vous ferez exactement les mêmes positionnements. Prêt? Allez, on descend. Descend. Allez. On descend. Je souris jaune, hein, je vous le dis. Allez, on accélère. Tchou, tchou. Tac, mouvement du dos à l'arrivée. Starfish. Étoile de mer, la position que vous aurez à la fin. Allez, on est prêt. C'est parti. On en fait le maximum. On va chercher la cheville. Allez. On va chercher la cheville. Ok. Maintenant, vous allez faire exactement ça. 2, 3, 4, une flexion à chaque fois. En place. Et 1, 2, et 3.
Ok. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon pendant le confinement? On aura le temps de se préparer pour 2021. On récupère tranquillement et on fera un dernier circuit, mais uniquement avec 4 tours, 4 ateliers. Il faut 3 exercices, c'est-à-dire 12 exercices. Récupérez bien, je vais regarder vos petits commentaires. Alors, évitez de vous moquer trop de moi parce que je suis une personne âgée. Mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer le sport. Donc vous voyez, j'ai passé 50 ans et je commence le sport aujourd'hui. Enfin semaine dernière. Et ça me rend plus heureux. Et ça aide ma famille à me supporter aussi. Je vois que ça fait toujours du bien pour Olivier. Ou c'est son commentaire qui n'a pas bougé. Benjamin Versier, toujours prêt à repartir. N'est-ce pas, Benjamin? Je pense que tout le monde est en train de dormir. Je vais aller récupérer dans mon coin, bouder. Je vais faire ma petite bouderie. Guillaume Ledru est vivant, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Est-ce que qui d'entre vous a fait le yoga avant et qui a enchaîné le cross-training? Je rappelle, cross-training, ça veut dire mélange transversalité d'exercices, c'est pas forcément, c'est pas du sport formaté, hein, au contraire, on y met ce qu'on veut. Donc c'est ce qui est intéressant, n'est-ce pas Pierre Lacombe? C'est vrai que c'est difficile de commenter en travaillant, sauf pendant le repos, Romain. J'ai trop l'habitude de parler pendant mes séances, parce que pour moi c'est vraiment un moment de convivialité. Alors je sais qu'il y a des écrans malheureusement pour l'instant, mais voilà, auprès de nos collaborateurs, on dit toujours qu'ils sont... c'est le seul moment où ils sont en mode avion de la journée, voire de la semaine, quand on fait du sport en entreprise. Est-ce que Benjamin Darbelé est là? Je vois que c'est il est en ligne. Alors Benjamin était champion d'Europe de judo, un grand champion qui a fait plusieurs fois les Jeux Olympiques, que je connais bien depuis qu'il est pas tout petit, mais qu'il est junior. Voilà, respect à tous ces anciens que je recroise parfois. Au travers de ma petite séance, on fait ce qu'on peut, mais en fait, on peut bien faire avec peu et avec, voire avec rien. C'est le but. C'est le but. Soraya fait du yoga. Séance de yoga top pour Catherine. Merci Catherine. Récupère encore un petit peu. Un petit peu, pas beaucoup, hein, parce qu'après on se refroidit. Et on fait un dernier tour, mais rapide. Rapide, on a bien intégré les exercices maintenant. Vous les avez intégrés depuis une semaine. Une semaine. Je ne suis pas sorti de la maison d'ailleurs. Et donc c'est bien de chaque fois monter un petit peu d'un cran, pas forcément l'intensité, mais au moins la durée. Parce que tout le monde n'est pas équipé de ça. J'avais deux autres en bas, mais qui servent pas. Voilà, donc. C'est utile et à la fois agréable. J'espère pour vous. Allez, une petite récupération, une minute, et puis on démarre dans une minute, justement. Voilà. Alors, je redémarre ma machine infernale. J'aurais jamais cru faire des circuits avec des lunettes quand j'étais jeune. Mais finalement, grâce à Essilor, Luxe Optique à Essilor maintenant. Les lunettes sont au top, merci Essilor. Alors on redémarre toujours pareil, demi squat, machin, etc. Ça va être très très court, vous verrez, 15 secondes, mais c'est qu'un passage et pas deux. Donc on redescend
en durée cette fois-ci. On est prêt pour les demi-squats ici ou ici. 3, 2, 1, top. Ok. Si c'est trop léger, vous pouvez mettre votre grand-mère sur le dos, ou votre fils ou votre fille. Si elle ne fait pas la même chose, je recommande aux enfants de faire la même chose, mais plus fréquemment que nous encore. Ok, on se met en position, abdos. Ici, course interne, direct. On se met en position de gainage, ici. Au bip, on démarre le travail dynamique. Ça va être comme ça jusqu'au bout. Allez. Ah, le sol est dur. Ok, on se met direct en gainage. Ici. Voilà. On serre bien les fesses. Là, ça va être flexion. Et voilà. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Vous pouvez juste faire une petite flexion, un stretching. Attention. Allez, tchoup. Allez, hop, on se recale. On se recale. On gagne bien avec les fessiers. Le corps est bien aligné. Et on accélère. Ok, paf, deuxième bloc, navette. Les navettes, ici. Alors, reste actif. Et on donne tout. Sans se faire mal. Allez. Allez, on regarde devant. On va toucher le sol. On en fait le plus possible. Bien relâché. Prochaine fois, je mettrai les gants de boxe. Ouh, abdos rotateur. En place, gainage. Maintenant, tout de suite, gainage. Ça démarre au bip. Allez. J'espère que Passeport pour l'emploi fait la séance. La promotion qui s'est arrêtée, j'espère qu'elle est là. Sinon, ça va barder à la reprise. Bras-main, push-ups, on se met en gainage. Si c'est trop facile, on se met en gainage ici. Allez, on fait le maximum. Ah, c'est horrible. Troisième bloc, coordination échelle. Allez, tout le monde en place. Vous serez prêts pour 2021. Ok. Allez, on bouge un petit peu. Position de runner, ici, gainage, c'est parti. Allez, on tient vers le haut, là, 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 allez, encore, 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 ok, push-up décalé, ici, ici. Position de gainage, c'est parti. Si c'est trop dur, vous restez en gainage, soit sur les bras ou les avant-bras. Ouh. Chaud, 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 chaud. Ouh. Allez. Chaud, chaud. Ok. Waouh, il reste un bloc. Jack, Starfish et la table de multiplication sur laquelle je ne vais pas m'aventurer. Je vais faire juste le geste. Oui. J'écarte moins en descendant un peu plus. Là, là, là. Allez, sur l'avant. Ok, on reste actif. Et on se met en position. Et ton demeure qui permet de récupérer
un petit peu trop peut-être. On commence doucement. Allez, chou, allez, chou, allez. Ok. Allez, push-ups. Ici, 2, 3, 4, 5, etc. Dégage. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ok. Bravo. Ouh. Eh ben, ça c'était un bon réveil. Un bon réveil matinal. Arrête-toi un petit peu là. Il s'est plus arrêté ce Benoît. Ok, allez, petite récup. Petit stretching. Et puis ça sera grosse douche. Une fois que vous aurez récupéré. Pour ceux qui démarrent le sport aujourd'hui, vous avez encore un an pour vous préparer pour Tokyo. Donc ça vous laisse largement le temps. Et trêve de plaisanterie, j'arrive plus à parler. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Justement, l'intérêt de l'activité physique, en particulier en entreprise, c'est de faire de l'activité physique à ceux qui n'en ont jamais fait. Et on voit des personnes qui se redécouvrent, qui retrouvent de la motivation, de la confiance en soi, qui vont un peu plus vers les autres, et ça crée vraiment du lien social entre les services et les collaborateurs. Et c'est vraiment très 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 efficace. Même si je prêche pour ma paroisse, j'ai pu le prouver avec des indicateurs comme quoi l'activité physique et sportive donne vraiment des capacités aux collaborateurs qui ne se retrouvaient pas en amont. Donc c'est pas parce que vous avez jamais fait de sport que vous ne devez pas commencer une activité physique. Je dis toujours activité physique parce que on n'est pas obligé de faire du sport monolithique, l'athlétisme, l'aviron, la natation. On peut très bien faire du cross-training comme on fait aujourd'hui avec plusieurs facettes. Et les facettes, on les connaît, c'est renforcement musculaire, stretching, proprioception, coordination cardiovasculaire. Ça fait les 5 principales au niveau physiologique. Moi, je rajoute la 16e que je cite toujours en premier et pas en dernier. C'est tout le lien social et l'enthousiasme que ça crée. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je vous laisse récupérer encore une minute. Et puis, au travers des étirements, on va pouvoir échanger un petit peu. J'espère en tout cas. Et à force de formation, en fait, il y a un 5e tour qu'on va démarrer tout de suite. Moi, je plaisante. Je vais récupérer ma petite chaise et vous allez voir que une chaise, ça peut être très utile quand on n'a pas d'appareil chez soi. Bon, ça, c'est une chaise de jardin parce que ben, voilà, c'est ce qu'il y a de plus léger. Donc, avec une chaise, on peut faire plein de choses. Hein. Je ne vais pas tout vous montrer. Bon, simplement, on peut faire des rétablissements. Ici, travailler des jambes, on peut faire aussi tout ce qui est dips, ici, voilà. ça s'appelle les dips. On peut faire des push-ups inclinés, voilà. On peut faire alterner nos petites jambes, ici, voilà, on peut faire plein de choses. Là, maintenant, on va utiliser la chaise pour s'étirer.
s'étirer, que ce soit chez soi, au bureau ou n'importe où, ça permet d'avoir gardé un petit peu de fierté quelque part sur sa posture, parce que si vous vous mettez au bureau dans une position comme ça au milieu de tout le monde, ça va être un petit peu compliqué, alors que si vous utilisez ma foi la chaise pour vous étirer, ça peut être pas mal. Donc on va l'utiliser de cette façon, comme ça. Ici, au lieu de faire la fente avant en bas sur le sol, on l'a fait ici. Voilà, tout simplement. Vous voyez que le psoas iliaque qu'on devait étirer s'étire vraiment très très bien. À partir du moment où on ne cambre pas, où on avance le bassin en rétroversion. Et là, on se met en opposition ici. Vous n'avez pas de chaise, faites-le au sol. Ça sera exactement ou à peu près les mêmes exercices. Voilà. Ici, on va se redresser. On va se mettre sur un plan sagittal. D'abord en arrière, pardon, j'ai oublié l'exercice numéro 2, ici. Et là, on va faire la même chose qu'au sol. Voilà, on va descendre doucement, deux plats vers l'avant, en gardant la jambe tendue. Et si on veut caler encore plus le pied d'appui, cheville flex, on se met ici au niveau du dossier. Comme ça, la jambe et le pied sont bien calés. Et là, j'étire vraiment le creux poplité qui est ici. Ça s'appelle le creux poplité, ici. La rotule, le genou et puis les ischio-jambiers avec les fessiers ici de l'autre côté. On va tourner d'un quart et ici on va se retrouver en étirement adducteur, tout simplement basculant le bassin légèrement sur le côté. Voilà. Et là, une fois qu'on est à l'aise dans cette position, on va venir ramener le bras ici et étirer encore un peu les intercostales côté opposé. Voilà. Alors, faut pas faire comme moi, je suis hyper raide, très très raide, mais l'intention y est, l'intention y est, ok, là on revient, et ici, alors soit on utilise la partie supérieure du dossier, voilà, soit on le fait avec une main ici, tac, voilà, toujours avec le genou qui dépasse le deuxième genou, là on va utiliser la chaise. Le coup, voilà, petite rétroversion du bassin, on avance un petit peu pour que le genou soit à l'arrière, et là on essaye de rester dans l'axe perpendiculaire à l'axe longitudinal. Voilà, et là on va passer de l'autre côté carrément. Là. On va venir descendre doucement. Moi je suis au taquet là, c'est... je suis au maxi. Je suis au maximum. Pourquoi je ne suis pas souple? C'est parce que je n'ai pas fait de yoga. Et voilà, ça m'apprendra la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Ok. Voilà, on n'a pas fait sur l'avant, donc on retravaille ici en fente avant, mais de l'autre côté cette fois-ci avec le petit travail de position. Si vous n'êtes pas en équilibre, vous posez un peu plus le plat du pied derrière. Et puis, là, on se met en inspiration profonde pour bien déverrouiller la cage thoracique avec la ceinture pelvienne. Ceinture abdominale. Ok, et là, on va venir sur le côté, ici, pour ne pas vous tourner le dos. On va se mettre comme ça, voilà. Donc là, on est vraiment sur un plan sagittal. Jambes tendues, les orteils ici, possible vers le haut pour ne pas tirer sur le ligament latéral interne qui est ici. Donc on met le talon plutôt et puis on prend des pieds légèrement vers le haut. Et par contre, on bascule le bassin ici vers le bas pour bien tirer cette partie-là. Et comme ça ne suffit pas, on va ramener le bras au-dessus. Comme on le faisait au patinage artistique, s'il y a des patineuses et des patineurs qui nous regardent, n'hésitez pas à vous montrer. Je sais qu'il y avait Adrien Tesson la dernière fois, Vanessa James. Donc faites un petit coucou, ça me fera plaisir. Comme je sais que vous avez pas la glace en ce moment, malheureusement. Ok, et puis là on va faire la même chose ici avec l'autre jambe. Attention de ne pas vous faire mal. Si vous n'avez pas de chaise, faites-le au sol, comme on l'a fait jusqu'à présent. Voilà, on se repositionne et hop.
On descend un petit peu vers l'arrière et vous voyez que ça étire bien le quadriceps ici qui a été bien sollicité, notamment sur le demi-squat. Bouger un petit peu, voir où on en est au niveau de la mobilité. Voilà, on relâche. Alors, en principe, c'est 30 secondes par minimum par exercice, sinon plus. Donc là, on va utiliser le haut de la chaise. Vous mettez votre... Je ne veux pas utiliser le tapis. Voilà, ici, on va se mettre un porte-à-faux avec les bras en regardant ici vers l'avant. D'accord. Donc, on met les deux bras ici, devant. Les poignets, pas les mains, parce que les mains, si vous mettez les mains, vous allez vous contracter, vous n'allez pas vous relâcher. On met juste les poignets et on descend doucement en inspirant. Voilà. Et là, c'est top, c'est topissime. Si ça ne marche pas et que vous n'avez pas de chaise, faites-le au sol. Il y a toujours, quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Surtout en ce moment. Ok, voilà, là je vais me mettre face à vous. J'arrive plus à articuler avec l'effort. On va ramener le bras devant, on va passer la main dessous et enrouler ici le bras devant et en mettant la main au niveau de l'omoplate. Voilà. Ok, on relâche. On repart avec la même main, deux fois. À l'arrivée, c'est pas très agréable, donc vaut mieux repartir de zéro et revenir. On relâche. Et ici, pareil, on vient au-dessus du coude, ici, sur l'humérus, et on ramène l'humérus devant le nez, devant le menton, et ensuite on plie le bras naturellement. On enroule le bras sur l'épaule. Voilà. Pensez à inspirer, c'est hyper important, le piston il est là, c'est le diaphragme. Si vous ne faites pas d'effort, respirez quand même, c'est ce qui va permettre de diminuer le stress et l'anxiété. Ça ne remplace pas l'activité sportive, mais ça permet quand même de travailler le système nerveux parasympathique. Et là on finit par cette partie-là, avant les cervicales. Pareil, grosse inspiration, grosse expiration. On ancre les mains sur le sol, ce qui permet de mieux faire travailler les muscles respiratoires. Les petits muscles respiratoires qui permettent de mieux récupérer et être mieux pendant l'effort. Ok, on se remet ici face à face et on va remobiliser à nouveau les cervicales qui étaient un petit peu tendues. Quand même pendant toute cette séance de gainage dynamique, donc cross-training. Ce n'est pas du crossfit, attention. Le cross-training, c'est adapté à tout le monde, ce qui n'est pas le cas du crossfit. Voilà, eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre participation. Mon intérêt, c'est que vous participiez. En ce qui me concerne, je suis en convaincu. Donc faites en sorte que la séance de cross-training soit contagieuse à la place du Covid-21. Et en tout cas, ça ne remplace pas, mais ça permet de retrouver cette motivation, cet enthousiasme, de casser cette fameuse routine où on reste chez soi, on se tourne un petit peu en rond, on se regarde à un moment donné en chaîne faïence. Voilà, donc le sport permet de casser ce moment-là et puis d'aller dans la durée. Et si vous n'y arrivez pas, dites-vous que vous êtes dans une capsule en direction de la Lune et il faut rester 2 mois ou 6 mois pour aller sur Mars. À très bientôt.